Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je continue mon tour du monde avec ces revues de presse mensuelles internationales que je fais maintenant depuis près de 3 ans, qui vous permet d'avoir une image plus réelle, plus proche de la réalité, voilà, de ce conflit mondial qui ne dit pas son nom, mais que j'annonce moi comme étant déclaré depuis avril 2020. Donc on va faire un point sur cette reconstitution de l'URSS en juin, et ces quelques premiers jours de juillet. Donc là, ici, vous voyez un article paru dans le Figaro. « Staline réhabilité, Eltsine marginalisé, comment la Russie de Poutine revoit ses modèles en temps de guerre ?» Donc en fait, Eltsine, c'était l'homme de la libéralisation, soi-disant, alors qu'en fait, c'est quelqu'un du KGB qui a nommé Poutine ancien agent du KGB pour lui succéder. Ça a toujours été Staline, le modèle de tous ces gens-là, mais ils ont fait croire, comme on le sait grâce à Anatoli Golitsyn, dans La supercherie de la perestroïka, et puis son livre précédent, Des mensonges pas si nouveaux, que tout ça était d'une supercherie, donc, et que l'URSS était toujours l'URSS, et maintenant, il se reconstitue devant nos yeux, qui ont du mal à s'ouvrir pour certains, mais que ceux qui ont lu et compris Golitsyn savaient depuis longtemps. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, de la Hongrie, de la Moldavie, de l'Ouzbékistan, des Pays-Baltes, de la Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Russie, de la Serbie et de l'Ukraine. C'est parti.